Ouais, je bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, c'est bon, tranquille. Hier soir, le Real Madrid a subi une défaite face au FC Barcelone et il faut dire officiellement que le FC Barcelone est le médicament du Real Madrid. Tu comprends? Quand le Real Madrid commence à faire les malins, il faut qu'il joue contre le FC Barcelone. Parce qu'on va pas se mentir, ça va faire 1 an, 2 ans, 3 ans que le FC Barcelone n'arrête pas de les fracasser. Alors que le FC Barcelone, sur le plan européen, ce n'est plus rien! Ils arrivent en Ligue des Champions, ils se font éliminer. Ils arrivent en Europa League, ils se font éliminer. Lorsqu'ils arrivent face au Real Madrid, ah, là, c'est un autre visage du FC Barcelone qu'on arrive à voir. Là, regardez, quand il y a eu Arsenal face au FC Barcelone, le FC Barcelone s'est fait littéralement manger. Jusqu'à Xavi, il a dit, ouais, nous, on est venus faire un petit match. Eux, ils sont venus jouer la finale de Ligue des Champions. Tu te rends compte? Là, maintenant, là, qui a joué la finale de Ligue des Champions face au Real Madrid et qui a fait un match amical face au FC Barcelone? Le Real Madrid a bien sûr été dans un petit mood. Ils ont touché la barre transversale 4 fois dans le match, comme si eux, ils étaient en train de jouer au jeu de la barre. Vinicius, il a mis 3 fois la barre au lieu de marquer les buts. Il s'est dit, bon alors, aujourd'hui, je mets pas de but, je vais tirer que sur la barre, voilà, et tout, nanana. Alors que le FC Barcelone, eux, ils ont la rage contre le Real Madrid. Tu ne sais pas à quel point ils ont la rage. Tu sais que le Real Madrid, hein, quand ils jouent contre le FC Barcelone, ils n'en ont plus rien à faire. Tu te rends compte de ça? Ça y est, le FC Barcelone, pour le Real Madrid, ce n'est plus trop un concurrent sérieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, bon, voilà, on a un petit peu de difficulté en Liga parce qu'il y a le FC Barcelone qui nous bat de temps en temps, hein, mais sinon, nous, c'est plus ce qu'on vise. Tu comprends? Nous, on est sur le plan européen. On vise les Ligues des Champions, tu vois. Regarde, on a gagné 3 d'affilée, ensuite on a enchaîné avec une finale et là une demi-finale. Donc tu vas pas nous casser les burnes avec ton FC Barcelone. On n'a qu'à leur laisser quelques coupes. Sinon, qu'est-ce qu'il leur reste à ces Blaugrana? Hein? Qu'est-ce qu'il leur reste à ces Blaugrana qui se sont fait littéralement shipper Lionel Messi, shipper Neymar? Et ils se sont fait chipper, hein? Le plus pire du pire, c'est-à-dire leur niveau en Ligue des Champions. Parce qu'on se souvient, depuis qu'il y a eu la remontada, hein? Depuis qu'ils nous ont traumatisés, à chaque fois qu'ils arrivent en Ligue des Champions, soit ils se font éliminer, soit ils se font humilier. Tu comprends? Voilà. Donc je ne sais pas quel sacrifice vous avez effectué pour avoir cette remontada, le FC Barcelone, mais sachez que vous faites peur à personne, hein. Vous faites peur à aucune équipe en Europe, vous faites juste peur au Real Madrid, mais sinon nous là, quand on vous regarde, on se dit, Lionel Messi il est plus là, voilà, ouais, il y a Dembélé qui est bon, mais Lewandowski, ouais, franchement, ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, franchement, ouais. Au milieu, ouais, c'est fort, c'est vrai, il y a Pedri et tout, ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Mais dans l'ensemble, vous êtes nuls. Tu comprends? Le FC Barcelone, c'est pas parce que vous avez battu le Real Madrid 3-0, hein, pendant les vacances où tout le monde est en train de siroter des cocktails, que vous pouvez commencer à faire les malins, à commencer à dire que, ouais, c'est vous les champions du roi, je sais pas quoi. Commencez pas à faire les oufs, le FC Barcelone. Vous, là, depuis que vous avez fait la remontada, je n'ai plus aucune confiance en vous. Et je ne vous soutiendrai plus jamais. Tu comprends? Tu m'entends? Voleur, arnaqueur, menteur, tricheur. Vous avez payé l'arbitre encore là? Hein?